Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le troisième épisode de Creativeverse. Merci à tous pour vos retours sur le dernier épisode, ça me fait très plaisir. Voici d'ailleurs le commentaire du jour, le commentaire de Loupio. Vraiment cool la vidéo, tu as du talent dans le gaming, le gameplay est plaisant à regarder, c'est vraiment un gameplay propre et bien réalisé, continue comme ça, tu gères. Merci Loupio et merci encore une fois à tous pour vos commentaires. Ma petite nouveauté pour cette série, eh bien, c'est de passer en début de vidéo vos commentaires, tout simplement, pour vous remercier de les poster. Alors pour cet épisode, comme vous me l'aviez suggéré dans les commentaires, eh bien, nous allons construire notre maison, notre première maison, juste ici, dans ce petit terrain que nous allons tout simplement terraformer. On est en face d'un biome Mesa. On est à côté d'un biome de neige, alors le biome de neige il est là-bas. Et puis là on a une plaine assez sympa qu'on pourra découvrir au fur et à mesure. Et c'est vrai que vous m'avez suggéré de commencer tout de suite par construire la maison. Comme ça on aura déjà une petite base sympa et on pourra explorer par la suite l'univers. Et je pense que c'est une bonne idée. Au début je voulais pas trop faire ça et j'ai bien fait de vous avoir demandé votre avis. Parce qu'au final c'est votre avis qui compte le plus à ce moment-là de l'aventure. Et au final moi ce que je voulais faire à la base... Enfin, au début, avant même de vous poser la question, je m'étais dit, bah non, mais j'aimerais bien avoir déjà des matériaux, pouvoir explorer, etc. Et au final, non. La priorité, ça va être de construire la maison, et après, on pourra explorer, et c'est vrai que c'est une bonne idée. Ça va nous permettre d'avancer plus rapidement et avoir un petit coin de paradis assez sympa, parce que c'est vrai qu'avec les méchants, ça va être assez terrible. Puis au moins, on aura de quoi être safe. Puis c'est vrai que c'est un petit endroit assez sympa. Alors, encore une fois, vous allez voir, on va pouvoir... Alors, évidemment, je parle pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, mais ceux qui connaissent déjà le savent, mais on va pouvoir, dans l'aventure, pouvoir crafter plusieurs téléporteurs, mais vraiment une infinité de téléporteurs. Donc, on pourra partir ailleurs, faire d'autres maisons, faire plein de trucs, et revenir là où on veut, n'importe quand. Voilà, donc pas de panique de ce niveau-là. D'ailleurs, je peux vous le montrer directement dans les crafts, hein. Téléporteur. Voilà, ici, par exemple, voilà, on peut faire des téléporteurs. Donc, c'est très simple en plus à faire. Il faut pas grand-chose. Donc, on peut faire ça très rapidement. Et ce sera d'ailleurs l'un des prochains crafts qu'on réalisera, parce que c'est beaucoup trop pratique. Alors là, l'herbe, elle va repousser en principe. Enfin, je crois, hein. Il me semble que dans la logique des choses, ça devrait repousser. Donc là, je suis un petit peu en train de terraformer assez rapidement, histoire qu'on ait déjà un petit truc plus ou moins plat. Après c'est des détails, hein, c'est du peaufinage, hein, le reste, mais là c'est déjà qu'on ait une sorte de petite base qu'on va pouvoir construire. Petite musique de Creativeverse, toujours sympa. Ça, on va récupérer par contre les brown mushrooms parce que... Mais normalement, il y a de l'herbe, hein, qui va se mettre dessus, non? Ça va pousser tout seul, hein? C'est une bonne question. Bon, dans tous les cas, on s'en fout puisqu'on va remplacer ça par des planches de bois. Ou bref, on va remplacer ça par un sol. Alors, je sais pas comment faire encore la maison. Déjà, un truc qu'on pourrait faire. Où est le coffre? Où est le coffre? Où est le coffre? Mais attendez, j'avais un coffre sur moi, les amis. Ça y est, je suis perdu. Je sais pas où il est. À moins que j'ai déjà posé, en fait. Attendez, je l'ai peut-être posé. Ah oui, excusez-moi, j'avais oublié. J'avais oublié qu'on avait déjà posé des trucs. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Déjà, on peut faire... Déjà, c'est le début de l'aventure, donc on n'a pas grand craft à faire. Donc, commençons classique. Et regardons ce qu'on peut faire. Placemat. C'est quoi, ça? C'est un tapis? Ah, je crois que c'est un tapis. Alors déjà, on va le crafter. Voilà, comme ça, c'est fait. On aura déjà un tapis pour la maison. On peut faire des LED. Ça va être trop stylé. On peut faire beaucoup trop de choses. Moi, déjà, j'aimerais commencer par faire la base, quoi. Donc, pour faire la base, il nous faut des blocs. Voilà, des wood wall. On va faire ça. Voilà, là j'en ai 72 il me semble. Donc on va pouvoir déjà placer des murs. Je sais pas encore comment, on va peaufiner, hein, vous inquiétez pas, on va déjà commencer par se faire une petite structure. On va commencer par se faire une petite structure. Alors l'idée c'est que la maison soit pas grande. Alors déjà on va décaler ici. Déjà ça commence bien, j'aime pas comment j'ai commencé. Voilà, on va décaler ici, on enlève ça. On va déjà commencer à placer des murs. Le reste ça viendra après. Genre les coins, tout ça, on fera ça après. D'ailleurs, on mettra un coin ici. Et en fait, on va continuer par là. Voilà. Ce qui est bien avec Creativeverse, c'est que c'est rapide. Placer des blocs, casser les blocs. Donc en vrai, tu peux tout casser et tout recommencer assez rapidement. D'ailleurs, on va faire un truc assez original. Enfin, original. Voilà, on va faire une sorte de forme comme ça. Et là, on va faire... Non, tu sais quoi, on va faire venir jusqu'ici. Ça me paraît bien. Alors là, j'ai eu un petit lag, donc... Enfin, un petit freeze. Hop, voilà. Fait venir, et puis là... Sachant que là on va casser, hein. On va terraformer cette herbe en temps et en heure. Est-ce que l'herbe a repoussé? J'ai pas... Ah ouais, l'herbe repousse, j'ai vu ça en direct. Donc ça c'est bon à savoir. Donc là tout ça on cassera, hein. Là il y aura, ce sera plat ici, hein. D'accord. Parce que je pense même que du coup l'entrée, la porte elle sera de ce côté. Vous voyez ce que je veux dire?
pourrait être assez sympa, donc juste voilà, qu'on se donne une idée. Et on va refermer là, ici, comme ça, d'accord. Donc voilà, au niveau de la forme de la maison, déjà, on a une petite idée, ça fait un L. Voilà, un L, ici c'est un petit coin, je pense que ça pourrait être un petit coin cuisine, vous voyez. Ça peut être assez sympa. Les coins, on va les faire comment? Parce que c'est vraiment très classique si on met des bûches comme ça en vrai. Hein. C'est vraiment les maisons type Minecraft, hein. Clairement, on va pouvoir quand même faire ça un petit peu plus poussé, quoi. Là, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Attendez, laissez-moi voir. On peut faire des wall hanging, c'est quoi ça? C'est des gâteaux? C'est des gâteaux totalement. Donc je découvre, hein, on peut faire des stone wall. En vrai, ce serait peut-être mieux de faire des stone wall. Stone wall, qu'est-ce que... En fait, en faisant des crafts, ça débloque d'autres crafts, hein, donc c'est pour ça, faut pas hésiter. On peut faire des picture frames. Oh là là, j'avais jamais vu ça encore sur le jeu. J'ai hâte de voir ça. Regardez, ça vient de débloquer ce craft et je peux le faire. Oh, c'est exceptionnel. Alors, wood wall. Alors déjà, juste le plancher, comment on pourrait le faire? Là, on a un wood floor, mais ça ressemble beaucoup trop... Ça, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien les wood tile floor. C'est varié, il faut un pot de miel pour faire ça. Donc on peut faire ça, en plus on a une ruche. Alors attendez, on va commencer, on va déjà faire ça. Parce qu'on a des ruches sur nous, enfin du miel sur nous. Alors il faut aller là, et normalement, c'est où? Attends, ça doit être dans le coffre. Non, ah mais si, pardon, j'avais pas vu. J'en ai là, mais non, attendez. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Attendez, parce qu'ici j'ai sur moi des queen bees. Et bah alors, on peut pas mettre ça là-dedans? Non, comment on fait un pot de miel? Attendez, je regarde un peu les trucs qu'on peut faire. Non. Ah, c'est peut-être dans une forge. Alors attendez, on va faire une forge, d'accord? À moins que j'en ai déjà une sur moi. Attendez, on sait jamais, on va pas tout gâcher. Non, j'en ai pas. Bon, on va faire une forge, les amis. Pour ça, il faut des stone slabs et des wood slabs. Donc pour ça, on a déjà des wood slabs, mais il en faut. Et il faut des stone slabs. Voilà, donc on va attendre que ça se fasse. Bon, on va continuer. On va voir, j'ai des stone walls sur moi, donc on va voir comment ça rendrait si on les place. Ah oui. Oula, je me suis fait propulser par mon propre bloc. Écoutez, je pense. Enfin, je sais pas en fait. Dans cet univers ici, je sais pas si le mieux c'est la cobble ou le bois. En vrai de vrai, je verrais plus la cobble. Mais en même temps, le bois, j'aime bien. En vrai, je sais pas trop. Et là, j'ai de la bedrock. La bedrock, ça rend comment? Non, la bedrock, c'est moche. Enfin, pas ici quoi. Bon, pour le moment, je sais pas trop. Déjà, on va s'occuper du sol. Je pense que ça va beaucoup nous aider le sol. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on aura une meilleure idée. Alors la forge, je peux toujours pas, j'ai pas assez de stone slab encore. Voilà, et je crois qu'il en faut encore. Ouais, il faut encore la dernière qui arrive, ça va, c'est assez rapide, il reste 5 secondes. Bon, c'est vrai que 5 secondes ça passe vite quand même. Enfin, ça passe lentement plutôt. Voilà, ça c'est fait. Et je peux crafter ma forge. Et la forge, je vais la placer juste ici. Et donc normalement maintenant, je peux. Voilà, faire, voilà, avec des beeswax, on peut faire donc des pots de miel. Par contre, j'ai pas de fuel. Ah mais si, j'ai du bois, pardon. Attends, je vais mettre mon épée en bois, ce sera déjà plus rentable. Voilà. Un petit pot de miel, voilà. Un petit pot de miel. Enfin, ça fait 8 même. Hein. Ça en fait 8, c'est pas mal. Voilà. Ça. C'est fait. Et donc maintenant, je peux crafter... Alors, où c'est que c'est maintenant? C'est ici. Voilà, je peux crafter... Voilà, j'en ai pas énormément, mais déjà, c'est pour qu'on ait une idée, j'en ai 16. Donc 16 planchers en gros, hein. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Moi je trouve ça beaucoup trop stylé le fait que ce soit varié comme ça. Alors attendez, on va déjà casser le sol, de toute façon on sait que ça ce sera le sol. On verra si on fera plusieurs étages aussi, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Ça va dépendre de... Déjà des matériaux qu'on va utiliser pour les murs. Et écoutez, quand je vois ce plancher, je trouve que le bois là, ça peut être une bonne idée de le laisser. On va peut-être pas... Après, faut voir en conditions réelles, en fait. Attendez, regarde, je vais récupérer toute la cobble, d'accord. Faut que ça me plaise, hein, les amis. Hein. Donc, je vais enlever le bois là et je vais mettre de la cobble pour voir comment ça fait. Et là, j'aime pas, vous voyez. Non, ça va pas avec. Donc, on va vraiment faire des murs en bois avec les wood walls. C'est très bien comme ça, d'accord. Donc, on va faire ça en wood wall. Et le reste, on va peaufiner. On va peaufiner, mettre d'autres blocs décoratifs. Vous inquiétez pas, ça va pas être uniforme comme ça. Voilà. Donc là, on va remettre du sol. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme bloc? Déjà, j'ai quoi comme bloc sur moi? Alors, les feuilles, ça, on pourra peaufiner. J'ai de l'eau, voilà, très bien. Du mud, de la limestone. Alors, la limestone, c'est un bloc très beau, mais pour faire des trucs souterrains. Ouais, c'est vraiment très beau, mais ça, c'est pour faire souterrain.
Là, je pense pas que ça rentre bien ici. Ça, c'est bien un tapis. Attendez, on va le mettre là. Non, le tapis, c'est à l'intérieur qu'on le met. Hop. Ah ouais, c'est un tapis. Ah, on peut interagir. Ah, mais pas du tout. C'est pour ranger des trucs dedans. Ah oui, c'est pour ranger quelque chose sous... C'est pour mettre quelque chose sous le tapis. Et en vrai, je sais même pas si c'est un tapis. Placemat, je sais pas ce que c'est. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais ça n'empêche que c'est un beau tapis, hein. Donc on va le garder, bien évidemment. Bon, écoutez, vous savez quoi? Déjà, on va tout enlever, là. On va tout terraformer. Attendez, histoire qu'on soit aussi efficace, faut quand même qu'on fasse cuire du miel. Enfin, qu'on fasse chauffer du miel. Faut qu'on soit efficace, hein. Faut qu'on soit efficace. Donc faisons ça. On va utiliser... Ouais, bah écoute, on va utiliser le bois. Pourquoi je peux pas? Ah, ça suffit pas. Bah attends, on va mettre ça. Qu'est-ce qu'il faut aussi pour faire le plancher? Parce que j'aurais pas... Des wood slabs. Voilà, il faut encore des wood slabs. Pour ça, faut pas gâcher tout le bois. Ah, il va falloir recouper du bois, c'est pénible, hein. Je peux plus en refaire. Aïe, 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 aïe. Il faut recouper du bois, il y a pas le choix. Bon, il y a du bois à côté, mais... Cet arbre-là, je l'aime bien, je vais pas le casser. Ce serait dommage de le casser. Donc on va prendre du bois ici. Voilà. Puis on récupère les feuilles aussi, parce que ça va être très pratique pour les crafts, mais également pour la décoration. Bon les amis, je vous prévois un petit épisode un peu plus long que d'habitude, hein, parce que là, vous vous doutez bien que la construction de la maison, ça va prendre du temps. Vu déjà comment on est parti, ça va prendre du temps, hein. Donc autant faire un épisode un peu plus long, parce que sinon ça va s'étendre sur 12 épisodes, et clairement, j'en ai pas envie. Bon, la construction de la maison pourra prendre plusieurs épisodes, mais pas 12, quoi. J'ai pas envie que ça en prenne 12. Voilà, salut, ça va? Alors, mon pote. Voilà, tu te calmes. C'est bon, il est mort. Tout va bien. Alors, on va couper ce bois. On a plein de mines à proximité, ça fait plaisir, vous avez vu. Donc là, on va vraiment pouvoir explorer par la suite de manière assez sympa. Là, je suis en train de faire une petite technique, hein. Je suis en train de couper du bois en faisant un escalier, comme ça, je peux en prendre un maximum. Et je suis pas obligé de tout prendre parce que ça fait pas moche. Alors là, il n'y a plus de bois, je crois, visiblement. On vérifie quand même. Non, il n'y a plus de bois, donc là, on va pouvoir prendre tout ça là. Ce qui est vraiment dommage, par contre, c'est que les feuilles ne tombent pas. C'est-à-dire que tu coupes tout un arbre et les feuilles restent. Ça, c'est vraiment dommage. Pour comparer à Minecraft, c'est vrai que c'est, je préfère le fait que quand on coupe un arbre, et bien après, il y a les feuilles qui tombent. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ok, donc on va continuer. On va refaire encore... On va utiliser ce bois là pour faire des wood slabs. Ici on récupère les pots de miel. On peut refaire du plancher. Ah attendez, ça va peut-être suffire. Non bah c'est bon ça va... Non je pense pas que ça va suffire. 32, à voir. Non ça suffira pas. Ça suffira pas mais c'est déjà un bon début. Hop, on va tout casser ici pour refaire le plancher. Et ouais en fait on fera des fenêtres et tout. Mais par contre pour les coins, en fait j'ai pas envie que la maison elle soit full en bois quoi. Ce serait vraiment dommage que ce soit tout en bois là, uniforme. Ça me plaît pas vraiment. Donc faut voir qu'est-ce qu'on va mettre. Voilà. Ouais. Du coup qu'est-ce qu'on peut crafter? On va regarder hein. Qu'est-ce qu'on peut crafter donc en termes de... Regardez, on peut même mettre catégorie build. Voilà. Alors. Basique. Des muds, c'est pas beau. Ça c'est quoi? Ah c'est des tapis, voilà ça c'est des tapis, red carpet. Alors on peut faire des les toits comme ça là, c'est vraiment trop stylé donc ça évidemment on fera. Wood wall. Bah oui du coup faut en refaire en fait hein. On pourra faire des fenêtres aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, bon il y a plein de trucs décoratifs, on n'y est pas encore. La décoration on n'y est pas encore, d'abord c'est la construction de la maison. Oh là là, oh, on a des bedrock wall, oh attendez, non mais c'est pas beau ça ici, ça fera pas beau. En vrai, je crois que pour le moment, on va falloir se contenter pour le moment de ça. Hein. Ouais. Pour le moment, on va se contenter de ça. Et pour les coins, on va mettre des bûches en bois, il n'y a pas le choix. Après, après tout, c'est vrai que ça reste notre première maison. Et ça va forcément évoluer au fil du temps. C'est notre première base. Enfin, notre première base, notre première maison. Donc, histoire d'être safe. Donc, on va la faire jolie, mais de manière classique. Voilà. Faut pas non plus chercher le truc extraordinaire dès le début, je veux dire. On est au troisième épisode. Par contre, j'en ai marre de me faire propulser, clairement, je vous le dis. On va pas être copains très longtemps. Voilà, je me suis refait propulser, j'adore. Hein. Je suis vraiment pas le... Par contre, ouais, ça demande beaucoup de bois. Hein. J'ai quand même visé grand en faisant cette maison. On récupère ça, on va refaire... wood trapdoor. Ah ouais. Non, par contre, on va faire de nouveau du sol. Hein. Le plancher, il est où? Il est où, le plancher? Attendez. Non, il est là. Ah, il me refaut des wood rods. Aïe, 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 coup dur. Coup dur, ça demande beaucoup. Ah bah attends, je vais utiliser ça. Voilà.
On va faire ça comme ça. Je vais faire cuire du miel hein, tant qu'on y est. Avec du coup ça. Ça je récupère. Est-ce que j'ai... Ouais j'ai une porte sûrement. On va la placer directement, vous savez quoi. Comme ça on saura où est l'entrée. Moi je veux que l'entrée, en tout cas pour le moment, elle est là. Après on pourra toujours changer. La porte, tac. Et la porte on la met comme ça, ouais. Yes. Ah non ça me plaît pas. Parce que là il y a le... Ici on mettra le... Attendez, on va faire ça. Attendez. Non. J'aimerais poser en fait un bloc de bois. Est-ce que c'est compliqué? Visiblement oui. Bah j'ai pas de bloc de bois, bon bah faut attendre. On attend que ça cuise. Ok, on a le miel. On a les wood rods. On va pouvoir crafter du coup de nouveau le plancher. Et c'était ça que je voulais en effet, ouais, pour le... Pour la porte. Oula, par contre je passe par où, je ne sais pas. Je tente des trucs. Voilà, ça, juste en dessous de la porte. Impeccable. On place tout ça. Bon, le plancher est bientôt fini, hein, en fait. Hein. Ah ouais, non, mais ce plancher-là, il est sympa, quand même. Franchement, je sais pas si on fera deux étages. Hein. Un étage, ça peut déjà être pas mal. Hein. Sachant que c'est notre première maison et qu'elle est basique, on va peut-être pas faire un gros truc immense. Ce serait peut-être un peu dommage. Si jamais vous avez des astuces aussi, parce que je pense que vous les voyez un petit peu, régulièrement, ouais, j'ai des freezes. Je ne sais pas pourquoi, alors, j'ai mes graphismes qui sont à fond et tout, mais je comprends pas pourquoi il y a des freezes. Voilà, c'est assez pénible, parce que tout est fluide, hein. Mais par moment, il y a des freezes, donc c'est assez c'est terrible. Si jamais vous savez pourquoi, s'il y a peut-être un truc à faire, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. Alors, les wood walls, on en refait. Voilà, c'est pas non plus la folie. Attendez, ils sont où les wood walls? Ils sont là. Alors là il y aura des coins, donc ça on peut déjà enlever les wood walls là. Voilà. Tac, là aussi je peux enlever. Voilà. Alors ça je voulais pas l'enlever, ça commence bien. Où c'est que j'ai de l'herbe là? 285, putain. Le feu. Hop, et il me semble qu'ici aussi on peut enlever, ouais. Et là aussi en fait. À chaque coin en fait on mettra. Alors là j'ai comme idée de mettre des bûches, mais peut-être qu'on peut mettre autre chose, on verra. Ah, peut-être un autre type de bois, pourquoi pas. Ça peut être une idée. Moi, je me suggère ceci. Hop, voilà, personne ne rentre dans ma maison. Et ben voilà, en fait, ça suffit. Attendez, les mecs, ça suffit. Ça suffit pour faire la hauteur. Et donc là, du coup, on va faire un truc pointu. Enfin, on va essayer de faire... Enfin, pointu. Vous voyez, avec ça, là. Alors, pour ça, il faut... À moins qu'on... Attends, on peut pas utiliser un autre matériau? Non, c'est que du... c'est que cette couleur-là. Attendez, si je tape ici, roof. Ah, je peux faire en touched. Donc c'est du foin. Ouais, mais ça me plaît pas. Non, on va faire en bois. Donc il faut wood rod et wood slab. Bon, de toute façon, on va dormir. Hop, on ferme la porte. Salut, petit cochon. Du coup, bah, on va dormir. D'abord, je récupère ça. Et on va en refaire peut-être... Ah bah, attendez, je peux en crafter du coup, maintenant. Voilà, c'est pas la folie. On va dormir, c'est déjà pas mal. Là, va falloir aller recouper du bois. Mais je pense que là, on va faire une petite session coupage de bois intense, là. En plus, là, ça y est, le soleil se relève. Et attendez, en plus, on a une belle vue, non, sur le soleil qui se lève derrière les montagnes du Mesa. Je pense qu'on aura une vue assez sympa dans la maison. Ça peut être vachement cool. Ouais, on a vraiment plein de mines à proximité. C'est vrai qu'on n'est pas dans le coin le plus peaceful en termes de mines. Mais en termes de coin en surface, c'est vrai que c'est assez peaceful, hein. On va pas se mentir, c'est vraiment peaceful. Donc ouais, on va aller couper du bois de tout type. Et en fait, ce que je me disais, les coins de la maison, hop, pourquoi ne pas les faire avec, avec le bois là, regardez. Ce bois ici, là. Le ashen wood. À voir à quoi ça peut ressembler. Histoire que ce soit pas complètement noir et qu'il y ait un petit peu de la couleur blanche, tu vois. Un petit mélange de couleurs. Oh, regardez ces animaux-là, on les a pas encore vus. Ils sont tous... C'est les Leafy, Leafy, je sais pas comment on dit. Ils sont tout gentils. Si tu les attaques, ils t'attaquent pas, en fait. C'est un peu des merdes. Voilà. Mais par contre, ils donnent des... Du cuir, et ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Donc, attends, on va se les faire. D'ailleurs, il me fuit, lui, hein. Ça y est, lui, il a peur de moi. Voilà. Merci. Et en plus, ça donne des vignes, et j'en ai besoin pour crafter des trucs que j'avais vu avant. Donc, ça, c'est sympa. Voilà, on va couper ce bois.
C'est bien, il y a des grands arbres. Alors les grands arbres, je les aime beaucoup parce qu'ils sont chiants à couper, mais au moins on a beaucoup de bois à l'arrivée, quoi. Donc ça, c'est cool. Ah, voilà, petit escalier. On récupère les feuilles toujours. Sachant que voilà, ce qui est magnifique, c'est que tout ce stack ensemble, tu peux en avoir 1 million. C'est génial. C'est pas genre un stack de 64, quoi. Voilà, alors en haut, je suis pas assez grand pour récupérer. On va un peu monter. Alors, est-ce que j'y arriverai? Oui, j'y arrive. Parce que je suis un peu un cascadeur professionnel. Disons-le. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire, ça c'est aussi un truc que je me demande. Bah d'ailleurs je mettrai je pense peut-être des sondages si j'y pense en haut à droite, mais si jamais j'ai oublié, bah vous me répondrez en commentaire aussi à cette question. Est-ce que les musiques de fond, parce que là du coup ça fait 3 épisodes qu'on les a, et elles sont sympas, mais peut-être qu'au bout d'un moment ça pourrait vous lasser. Alors vous me dites, est-ce que je dois les laisser ou est-ce que je dois les enlever, les musiques de fond qui sont générées par le jeu. Après je sais pas, ça s'adapte en fonction de la situation, donc c'est toujours sympa de les laisser, mais si jamais ça vous saoule, vous me dites et je les enlève. Parce que c'est vrai que là, pour le moment, on entend tout le temps les mêmes musiques, forcément. Parce qu'on est en mode peaceful, donc... je veux dire, il se passe rien d'incroyable. Regardez, c'est beau. J'adore les nuages. Passion nuage, hein, voilà. Ah, je vais récupérer des champignons tant qu'on y est. En plus, je suis en train de me faire une théorie, mais... je suis sûr, les champignons, ils repoussent tout seuls, non? Je sais pas, je me fais des... Depuis tout à l'heure, je me fais des théories, en fait, je vais vous dire. C'est assez incroyable. D'ailleurs, la théorie des freezes, je suis sûr, c'est quand c'est les mobs qui spawnent. Je suis sûr, c'est lié. Oh ouais, ça va être sympa, la maison-là. Alors, attendez, on va essayer ce que je disais. Les coins, là, avec... Oh, c'est quoi, ça? Ah, c'est de la mousse. Bah, ils sont où? Ils sont où, les bûches que j'ai coupées? Ah, là, pardon, j'avais pas vu. Hop. On va voir comment ça pourrait rendre. Oh là! Oh, j'ai perdu de la santé. Ah, ouais, ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée. Eh, Mkolo, il a des bonnes idées ou pas? Franchement. Franchement, Mkolo, il a des bonnes idées. Bah ouais, vous pouvez le dire. Alors, attendez. Hop. On va déjà toutes les placer. Oula. On va quand même les placer correctement. Et on verra par la suite. Voilà. Et le dernier. Voilà. Et là, alors attendez. Parce que j'ai déjà un toit, là, qui commence. Alors, on va faire ça comme ça. C'est assez compliqué à placer. Alors, je regarde un peu à quoi ça ressemble comme ça. Bon, là, évidemment, ça se voit pas de près, mais... J'aimerais bien que le toit, il soit en accord avec les bûches qui sont sur les côtés. Parce que là, ça ferait trop sombre. Alors, évidemment, il y aura des vitres hein, qui seront placées, donc c'est pas juste un mur comme ça. Mais, je sais pas, je crois pas qu'on puisse faire. Parce que quand j'ai tapé roof... Ah, ça y est. On peut faire un toit en pierre. Mais on va pas faire un toit en pierre si la maison n'est pas en pierre. On est d'accord. À moins, attendez. Si on met de la stone wall ici, là, sur la dernière couche. Ouais, mais ça fait con. Non, c'est un mélange de matière qui est vraiment nul. Après, ça coûte rien d'essayer de faire un toit en stone roof. Faut juste faire des stone slabs, donc on va en faire. Vous savez quoi, vas-y. Ça coûte rien d'essayer. Alors, les stone slabs, on va les faire. Voilà, hop. Non, je me suis trompé, c'est pas grave. Et nous, par contre, il faut qu'on se refasse aussi, donc bah ça, quoi. Donc, il faut des wood slabs. Et des twines. Comment on fait des twines? J'ai oublié. Alors, attendez. Là, on peut faire des wood slabs. Comment on fait des twines? Ah, c'est avec les vignes, voilà, c'est ça. Voilà. Hop, on attend que ça se fasse. Voilà, normalement, on peut faire. Alors, attendez, il est où, le... Voilà, stone roof. Ah non, je peux pas. Ah, il me faut des stone slabs, mais si je suis en train de faire ça. Ah, voilà, j'avais pas récupéré. Excusez-moi, j'avais cru que j'avais récupéré. Autant pour moi. Alors, attendez, où c'est que c'est? Ça débloque. Il y a plein de crafts qui se sont débloqués, c'est incroyable. Alors, roof, hop. Ah, je peux toujours pas, il m'en faut plus. Oh, c'est une blague. Oh, j'avais pas vu ça comme ça, moi. Où c'est que j'ai de la pierre? Je suis perdu, hein. Ça y est, stone slab. Bon, ça va prendre du temps avant que ça arrive, mais on s'en fout. La priorité, ça va être de faire le toit en bois, parce que je pense que ce sera comme ça qu'on va le faire. J'irais quand même voir le roof en pierre, comment ça rendrait. Ah, ou peut-être... non. Je sais pas. Je trouve que... En fait, j'aime bien le mélange de couleurs, là. Qui est du blanc et du brun. Donc le mélange de bois. Mais en même temps... alors là, ça me dérange pas. Mais quand je regarde de ce côté-là... Bah, je sais pas, je trouve que ça fait bizarre. J'aurais envie de mettre toute une ligne de bûches blanches. Mais en même temps, non.
Bah attends, ça coûte rien d'essayer. Encore une fois, il faut essayer, hein. On va pas... Vous voyez un truc comme ça là? Ah bah oui! C'est ça qu'il faut faire en fait. Ça y est! Fallait oser le faire parce que c'est une bonne idée en fait. On va faire ça les amis. Regardez. Eh ouais! On va faire ça. Le toit, on va voir comment, comment on va gérer, mais on va faire ça déjà prioritairement. Évidemment, j'aurai pas assez de bois. Hein, bien évidemment, comme d'hab, je me fais arnaquer. C'est pas grave. Non, j'aime bien ce bois-là, le Ashen Wood. C'est vrai qu'il rend quelque chose d'assez sympa. C'est agréable à voir. Oh, je me suis trompé. Voilà, j'en ai encore 9. Ah bah tout pile, il reste plus qu'une façade. Enfin, plus qu'un mur à faire. Du coup, on va voir les toits en pierre. Hop. Voilà, est-ce que je peux faire maintenant? Voilà, je peux faire stone roof. J'aimerais voir à quoi ça ressemble. En tout cas, je sais que c'est très beau. Mais est-ce que là, ça aurait sa place? C'est une très bonne question. On va poser un bloc pour pouvoir monter. Franchement? Non, franchement, ça va pas avec. Ça va pas avec. Et si je le fais tomber comme ça? Attendez, si je fais tomber comme ça. Non, en vrai, il y a moins. Non, si ça rend bien. Si je le fais tomber comme ça. Ça matche bien en plus avec. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais, on va la faire comme ça. Oh, c'était pas prévu. Mais alors, pas du tout. Mais on va la faire comme ça, d'accord? Ah, oh, je suis content. Je suis content, je suis content. Par contre, j'ai tout plein de wood wall sur moi. Et ce qu'il me faudrait, c'est du plancher en fait. Bon, bref. Donc on va faire plein de stone roof, d'accord? Donc ouais, va falloir faire plein de stone slab. Et pour ce faire, rien de plus simple, on met de la pierre. Enfin, de la bedrock, c'est bien aussi. Et on se fait plein de stone slab. Est-ce que... Ouais, j'ai 37 pots de miel, 21 wood rod. Ouais, c'est vraiment les stone slab qu'il faut, à fond. Ah, j'aurais dû faire des stone rod aussi, j'ai encore de la pierre. Oh, mais quel con. Ah si, j'en ai encore là, ouf. Voilà, hein, parce qu'on n'est jamais trop prudent. Là... Comment on fait de la glace? Avec de l'eau, non? Y a pas une histoire genre... Attendez, si je mets ça... Non. Comment je transforme l'eau en glace? Avec un frigo? Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Comment on fait? Made in the forge. C'est dans la forge qu'il faut faire ça, mais c'est... Alors c'est avec de la glace. Ouais, c'est avec de la glace. Faudra trouver de la glace. Comme on a un biome neige à côté, ce sera pas compliqué. Et du coup, on pourra faire des vitres. Nickel. Bah du coup, en attendant, puisque j'ai plus de bois... on va recouper, non? Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait 27 minutes de vidéo. Qu'est-ce qu'on fait les amis là en attendant que ça, que ça se fasse? Ouais, ça coûte rien là, faut qu'on coupe du bois. On va se faire des petits allers-retours, enfin juste un petit aller-retour histoire qu'on coupe du bois et qu'on se remette bien. D'ailleurs comme ça, ça nous permet un petit peu d'explorer de nouveaux horizons vers là-bas. Alors on va pas trop se spoil, hein, on va découvrir ça ultérieurement. D'ailleurs, ah oui, regardez, vous voyez là le rocher qui vient de clignoter en haut? Donc je sais toujours pas ce que c'est, vous m'aviez pas répondu, vous voyez là il y a encore eu. Donc dites-moi en commentaire si vous savez c'est quoi. C'est ce rocher bleu qui clignote là, ce sort de diamant. Oh, c'est quoi là? On a quoi? On a un biome tropical? Mais non. C'est quoi? Je connais même pas. Non, c'est pas un biome tropical. Bon, je sais pas c'est quoi. On ira explorer. Si c'est un biome tropical. Eh, on est vraiment entouré de tous les biomes du monde, hein. Ça, ça fait plaisir. Bon, on va couper du bois du coup. Ça, ça fait plaisir. On s'est vraiment installé dans un endroit très sympa. Et ça ressemble même à là où on a spawn. Mais c'est pas le même endroit, je crois. Hein. Non, c'est pas le même endroit où on a spawn, je vous rassure. Mais ouais, c'est grave sympa cet endroit. Franchement, on va se faire plaisir, hein, moi je vous le dis. Hop, on récupère un maximum de choses. Le bois là, il est intéressant, celui qui est couché, parce que lui au moins, voilà, il se prend facilement. C'est sympa. On va récupérer aussi le bois là. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut récupérer en sautant? Ah ouais, on peut, ça marche. C'est grave stylé. Waouh. Regardez, on a... Oh, oh là là, je veux faire quelque chose ici aussi. On a un biome... Oula, j'ai eu un freeze. On a un biome sapin, là, vous avez vu? Avec des sapins. Ah bah c'est, oui, le biome de neige. Mais on a un petit oasis, là, vous avez vu? Enfin, un petit lac, du coup, c'est pas un oasis, mais... Oh, c'est sympa. Attends, on va récupérer ça. Hop.
Voilà. Et j'aimerais bien récupérer encore là les ruches tant qu'on y est. Hein, ça coûte rien de prendre. Alors, attends, on va poser des blocs. Et on récupère. Comme ça, on a le stock. Nickel. Voilà, et puis on va retourner tranquillement à la base. On a déjà pas mal de bois. Ah, attends, c'est sympa. On est vraiment dans un endroit sympa, hein. Il y a de la neige, donc la glace sera facile à trouver. On est vraiment dans un endroit super sympa, quoi. En vrai, moi, je vais vous dire... C'est quoi, ça? Du laitue, ça se mange, ça? Discovered. Vous avez vu à droite, en fait, Discovered, c'est à chaque fois qu'on découvre quelque chose, hein, encore une fois. Je le rappelle pour ceux qui comme moi, découvrent de plus en plus le jeu. Mais du coup, ouais, putain, on est vraiment... Je vais vous dire, donc, ce que je voulais dire. Dans le dernier épisode, quand je suis arrivé là et que je vous ai demandé, est-ce qu'on s'installe là? J'étais pas convaincu. Parce que là en face on a un biome, mais ça c'est joli, mais voilà, c'est tout. Mais en fait, on est vraiment bien là où on est, quoi. Oh là là, on va se faire plaisir, les amis. On va se faire plaisir. Et regardez, on croirait presque une maison moderne. On croirait un mélange de moderne et de bois, quoi. Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit. C'est sympa, hein. J'aime bien ce qu'on est en train de faire. Ça y est, ça me plaît. J'adore l'aventure. D'ailleurs, vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre dans le coffre ça, parce que ça nous sert à rien. Et on va récupérer ça. Et on va se faire donc plein de... Alors attendez, c'est où? Attendez, voilà, c'est ici. Des stone roof. Voilà, j'en ai 72. Ça ne suffira pas. Mais c'est pas grave. C'est déjà pas mal. Donc on va faire tomber. Alors ouais, c'est très compliqué, hein. La maniabilité du jeu, quand même, elle a une sorte de physique assez sympa. Alors attendez. Je vais me mettre comme ça, accroupi. Et je vais faire comme ça, ouais, ça marche bien. Alors ça fait genre, ça bug un peu, mais... Et d'ailleurs, pour les coins, comment on va faire? Je ne sais pas. Alors attendez, 59, on fera tomber après, hein. Ce sera plus simple. Ouais, là, vous avez vu, la physique du jeu, c'est compliqué. Vous me voyez sauter comme un teubé. Hop, voilà. Donc les coins, je ne sais pas encore comment on va faire. Je pense qu'on va faire monter le bois, histoire de le mettre en avant. Ça va être bien sympa. Voilà. Je vais arrêter de sauter et puis je vais poser comme ça. Peut-être que... Ah, je peux pas, j'ai pas le choix. Ah non, ça s'est mis à l'envers. Voilà. On a bientôt fini, en tout cas, cet étage. A voir, peut-être que en fonction du toit, on pourra se faire un petit grenier ou un deuxième étage. Ça dépendra, en fait, de la hauteur que le toit va prendre, vous voyez. Voilà. Et donc là, en fait, ce que je disais, je pense qu'on va faire monter les bûches comme ça, vous voyez. Bah voilà, c'est tout. Juste de 1. Ça me paraît très très bien. Voilà, voilà. Non, je voulais pas tomber. Oh, c'est chiant. Bon, c'est pas grave, on va en profiter pour faire tomber... les escaliers. Enfin les escaliers. C'est pas des escaliers, hein, du coup. Mais le toit. Oh, ça rend sympa. Bon là encore une fois je le rappelle, il y aura pas d'herbe ici. On va terraformer, je le ferai enfin j'allais dire je le ferai en off, mais en fin de compte c'est rapide à faire, mais je ferai quelques trucs en off histoire d'avancer un peu. Vous inquiétez pas. Ah bah j'en ai plus là, ça y est, j'en ai plus. Oh là là, eh, ça va être convivial. Bon, l'entrée, je verrai où c'est qu'on la mettra, parce que là elle est pas au milieu. On la mettra plus au milieu, je pense. Donc là, j'aimerais bien en refaire. Qu'est-ce qui me manque? Bah, il me manque encore des stone slabs. Hein. Et j'ai plus de pierre. Ah, si. Voilà. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il me faudrait maintenant? On peut faire des échelles. On n'a pas encore beaucoup de craft de débloquer, mine de rien. Oh là! White beacon. Ah ouais, il faudra mettre un beacon. Oh là là, il y a des trucs stylés quand même. Forbidden City, c'est quoi ça? Forbidden Redwood Stairs. Forbidden to walk up. Je connais pas ça, tu vois. Alors, il est recommandé de ne pas construire avec ces blocs à proximité d'un bullpens. Alors, je sais pas c'est quoi un bullpens. Je sais pas. J'ai pas la référence. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai pas la ref. Nous, ce qu'on veut, c'est les escaliers. Ouais, on va pas aller loin, là. On va pas aller loin. Ah, et j'ai hâte qu'on s'installe dans cette maison et qu'on parte à l'aventure. J'ai vraiment hâte qu'on s'installe dans cette maison parce que, sans déconner, je m'y sens déjà bien. En vrai, je m'y sens déjà bien. C'est con à dire, hein. Mais je sens qu'on va se mettre bien. Ça se connecte pas les textures entre eux, hein, je crois. Hein. Ouais, c'est ça le problème. Alors, je sais pas comment on va faire. Ah, mais attends, mais je suis bête, en fait, là, je peux... Bah voilà. Mais faut faire comme ça, en fait. Non. Toi, tu te calmes. Voilà. Ah, là, par contre, ça fait con. Là, je sais pas comment faire. Non, ça fait pas con.
pourquoi ça ferait con. Enfin, je sais pas. En fait, faut choisir. Soit je fais comme ça. Ah bah, je vais faire comme ça. Ah mais non, ça fait une sorte de trou. Ça me dérange. Vous voyez le trou là, ça me dérange. Ah, c'est compliqué. Alors si j'enlève les deux, ça fait vraiment très con. Alors après, je peux mettre ça. Ah mais non, mais attendez, mais je sais. Mais qui les bêtes, Mkolo? Mais oui, vous l'avez tous dit. Regardez. Voilà. Mais alors ça, ça sert à rien. Bah ça, on va l'enlever alors. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Là, il faut mettre un wood wall. Hein. Tac. Voilà, bon là, il y aura le plancher, je le rappelle. Voilà, et c'est trop bien. Bon là, pour le moment, ça fait un peu pierre et tout, mais de l'intérieur, on va évidemment tout modifier. Enfin, on va vraiment bien changer tout ça. Et mine de rien, ça fait déjà plus de 35 minutes de vidéo. C'est pas... C'est vraiment une vidéo longue, hein. Attention, hein. J'espère que vous décrochez pas, les amis. Bon. Non, j'espère que ça vous plaît, en vrai, hein. Hop. De toute façon, on va bientôt s'en arrêter là. Vous avez compris le principe que je suis en train de faire. Je pense même que je vais vous retrouver pour le prochain épisode avec le toit qui sera terminé. Je pense qu'on va faire ça comme ça, hein. On va faire ça comme ça, les amis. Je commence juste histoire que vous voyez un peu le délire de ce que je vais faire. Voilà, je compte faire ça comme ça. Grosso modo. Bon là évidemment ça matche pas. Voilà. Bon, je vais me débrouiller les amis. On va s'en arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, début de la construction de la maison. Pour le prochain épisode, je vous retrouverai bien évidemment lorsque le toit sera terminé. Le plancher aussi, voilà, et ici ce sera terraformé, donc on se retrouvera avec un beau petit décor qu'on va pouvoir tout simplement décorer. Voilà, on va pouvoir, une maison qui sera plus ou moins terminée et on va pouvoir la décorer dans le prochain épisode, ça va être bien sympa. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, pouce bleu, n'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis, ça me ferait très plaisir, et puis à commenter. On se retrouve pour le prochain épisode et pour de prochaines aventures, c'était Mkolo, ciao tout le monde.